Tu voudrais devenir maître Pokémon. Tu es prêt à tout pour qu'on fasse ça cartonne. Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin les Pokémon que j'ai croisés. Je détiens le pouvoir dans ma main. Oui, c'est vrai, je leur ai rien dit. Du coup, non. Du coup, tu les laisses avancer ou Non, je les remets la main devant, je les dis de s'arrêter. Ah, voilà, merci. On est en train de suivre notre petite équipe de tout à l'heure, là, qui s'est barrée comme des voleurs. Tu veux envoyer Fantominus pour espionner. J'ai des yeux. Oui, mais Fantominus, il pourrait aller écouter et puis il pourrait faire un petit rapport à Akai. Tu pourrais le faire ? Fantominus te dit non. Voilà. Donc non. Donc je vais le faire à l'ancienne avec mes yeux. Par contre, ils discutent, Jackal est parti. Il est parti plus loin. Mais les autres discutent, je sais pas ce qu'il y a. Mais bon, je pense qu'ils seraient peut-être pas trop ravi de nous voir là. Et là, d'un seul coup, vous voyez qu'il y a Red qui hoche la tête. Enfin, toi, tu vois que Red hoche la tête avec un truc, et ils ont fini de discuter. Et il y a tout le monde qui remonte sauf Red. Donc tout le monde va nous recroiser, en fait. Bah, à moins que vous décidiez de remonter... Moi, je remonte, leur faire signe de remonter. Cause, voilà. Bah on remonte. Et ils remontent, ils sortent, ils commencent à sortir et visiblement... Mais je vais pas remonter et s'il reste là, Zuko, je reste avec lui, hein. Non, moi je remonte. Alors c'est bon, on remonte. Du coup, vous remontez tous et tu vois qu'ils continuent de remonter et visiblement, bah ils vont sortir du manoir. Donc du coup, Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah là, j'ai besoin de savoir. Vous voulez... Parce que là, ils vont pas tarder à sortir. Du moins, eux, Red est resté en bas, Jackal, je l'ai perdu de vue. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce que fout Red. Ça veut dire qu'il faut attendre qu'ils sortent et nous on rentre après. D'accord. D'autres ? Ouais. Nickelo, ça va ? Ouais. Donc du coup, excuse-moi, j'ai eu un moment d'absence. Du coup, vous les laissez sortir et vous redescendez en bas ? C'est ça. Ok. Donc du coup, il y a tout le monde qui descend et Red est dans une salle. Toi, tu vois que Red est dans une salle et il bouge pas. Il attend, il est assis sur une chaise, il y a toutes sortes d'équipements, des livres, des machins. Il reste assis, il attend. Il est tout seul et il attend, c'est bizarre. Il y en a un qui veut engager la conversation? Je veux pas te baseball. Non, Akai. Si tu vas, Akai, tu es sérieuse, pas pour l'insulter de tricheur, okay. Parce que Jackal n'est pas là, on sait pas ce qu'il peut faire. Moi, okay. Sinon, je peux y aller, moi. Faites, moi je reste là, je vous verrai à travers le mur. Bon, Akai, qu'est-ce que... Quand on va tous les deux au cas où... J'ai une idée. T'as eu comme idée? Evoli. Ouais, Evoli. Evoli court dans cette direction. Ah, qu'il fasse une connerie, ben oui. Et je vais te suivre en criant « Reviens !» Et tu vas tourner, tu vas... Ok, fais-le. Je me rappelle que pour ouvrir le passage secret, il fallait forcément toucher un truc, donc... Oui, donc là, ça va pas passer du tout, là, je t'explique. Hein. Mais mec, avec Bulle bizarre, toi tu vas lancer des foiliales dans toutes les directions. Let's non. go. Non, ça va pas marcher. Je veux parce que ça change. Qu'est-ce que ça change va, ça ne va parce pas. Parce que si avec un foilial, Bulle bizarre a activé le passage secret et Willy juste... s'est enfui de le passage secret. MJ, juste pour savoir, le passage secret, comment il s'active exactement? Il fallait toucher un livre. Mais bah avec un foilial, c'est possible, hein. Non, c'est beaucoup trop hasardeux, crois-moi. Mais mec, mais tu connais pas mes Pokémon. Enfin, tu sais pas. La qualité des Pokémon. Non, ce sera un... Et toi, tu connais pas le monde, parce que alors là, t'es totalement grillé, je suis désolé. Tu m'ouvres les couilles. Non, écoute. Moi, je pense que c'est beaucoup trop... Non, sinon, lui lance une batte de baseball à la tronche pour ramasser son cadavre. On t'arrive toujours pas. On t'a rien demandé, le muet. Maiko. Et bon, je t'en vais. Tu couvres mes arrières, j'y vais tranquillou, je vais faire genre, j'ai trouvé ça toute seule, et toi tu couvres mes arrières. Bon. Et tu fais, Akai, pourquoi t'es parti? C'est quoi ça? Je sais pas, Maiko, tiens, est-ce que tu me suis, Maiko? Eh, Oh là là, Oscar sur 20. Akai,
Oui. Déjà, si tu veux paraître crédible, tu as trouvé le manoir et t'étais à la bibliothèque, tu regardais les livres. Déjà, d'accord. Pour être crédible, pour trouver le passage si on te demande, réfléchis 2 minutes. Ok. Oh. T'as le grand frère qui engueule la petite sœur. Sans voilà. Je regarde du mur. En plus, de toute façon, j'avais besoin de trouver une bibliothèque, donc... Allez-y tous les deux. Let's go, d'accord. Alors, passe devant. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais passer devant. Je vais faire genre... Mais c'est quoi ce tunnel? Où est-ce qu'on est? C'est quoi ça? Oui, et ensuite... c'est bon, j'ai compris. Allez, je d'accord. te suis. Ouais, c'est mais dis donc, quel est ce tunnel? Il fait sombre ici. Non, mais moi, je vais vraiment... Je vais m'avenger. Non, moi, tu vas avec Nikolos ou tu restes avec moi? Non, je reste avec moi, tout ça. Ouais. Bon, alors du coup, on commence à descendre. Vous descendez et vous tombez nez à nez avec Red qui est dans cette petite salle en train d'attendre. Mais c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que... Red? Il y a Red qui vous regarde. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est Maiko, il m'a dit qu'il y avait un truc chelou dans le manoir d'à côté. Je l'ai suivi. C'est que je cherchais une bibliothèque, je suis tombé sur ce manoir. J'ai vu tous les livres, j'ai commencé à feuilleter, puis il y a un truc qui s'est ouvert. Je me suis demandé ce qui se passait, je suis rentré, puis... Et là, toi? J'attends Jackal. Ah! Mais c'était quoi, en fait? J'ai pas compris ce que c'était, en fait, ça. Quoi, ça? Parle à Maiko. Je sais pas, moi, je regardais les livres, tout ça, j'essayais de me renseigner, puis j'ai lu un livre et... T'as le truc qui s'est ouvert, là. Bon, je vais regarder Red, et je vais faire... Toi aussi, tu cherchais des livres? J'attends Jackal. Mais... Je crois qu'on devrait peut-être pas être là, non? Ça n'a pas vraiment d'importance. Jackal n'a rien dit pour vous. Ah, pour nous? Attends, il se passe quoi en fait? Non mais ça... Je regarde Red, hein, en disant ça. Jackal a une petite enquête à faire ici. Ça l'a mené... J'en sais rien. Ce sont des choses par rapport au gouvernement, il a préféré garder ça pour lui. Nous ne faisons rien d'autre que l'aider et... Oula oui, d'accord. Ah oui, c'est quand même assez... Ouais, je comprends mieux. Ça dérange pas qu'on te tienne compagnie, comme ça au moins tu seras moins seul. Ou tu préfères peut-être qu'on s'en aille? J'attends Jackal. Une seconde. Moi je vais faire le tour de la pièce. Ok, mais il vous empêche pas de... Mais je veux tout regarder! Mais quand tu rentres, tu vois qu'il y a. C'est en baoutium un petit peu tout ce qu'il y a, et voici ce que tu vois. Oh, il y a plein de livres! Il y a toutes sortes de livres, et tu vois Jackal qui est au bout de cette salle, en train d'étudier plusieurs livres. Essaye de voir dans ces livres s'il n'y a pas un truc genre mythologie des Pokémon divins. Il y a toutes sortes de mythologies, toutes sortes de livres, mais tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit. Akai, viens voir. De quoi, viens voir? Regarde, t'arrives à comprendre ce qui est écrit là? Même pour regarder les écriteaux. Vous n'arrivez pas à lire. Quoi, c'est le langage? T'arrives à comprendre toi, Akai? Non, je comprends que dalle. J'aime pas lire de toute façon. Oh là 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 là, moi qui voulais me renseigner, c'est ballot là pour coup. Aïe. Oh, mais attends voir. Je vais me diriger vers Jackal, moi. Je te rattrape avant. Là-dessus, il y a Red qui s'appuie juste contre une table. Il vaut mieux que tu le laisses étudier tranquille. Il a demandé à ce qu'on le laisse. Mais... Au lieu de faire ça, vous pouvez dire à vos amis qui sont en haut de nous rejoindre au lieu de rester planqués comme des voleurs. Oh putain, fallait s'en douter. Ah mais oui, mais c'est ouais. Tué, même truc. Le grand-père, il a dit que Red avait la même habilité que l'autre, là. Eh oui. Putain. Eh ben oui, je te dis ça de mon père. De quoi ? Nicolas ! J'étais juste pour nul con, ça. Très, très con. Très, très con. C'est vrai. Ouais, j'arrive. Mais il a dû comprendre que j'avais le même truc. J'arrive en marchant de dos. Bah non, ça y est, le visage. Donc, Nikolos, le remplaçant. Le remplaçant hein? MDR, c'est moi qui l'appelle comme ça. Oui, bah maintenant, bon, je l'appelle comme ça. Il y a tout le monde qui descend, effectivement. Red ne vous regarde même pas, hein. Il continue d'attendre.
Red, tu pourrais peut-être nous aider pour un petit truc si ça te dérange pas? Je vous écoute. Je cherche un livre en particulier, mais là j'arrive pas trop à comprendre là ce qui est écrit. T'es mon père? Juste avant qu'il... Vu la vitesse à laquelle elle a dit, t'as pas le temps de réagir. T'es sur le cul, oui, mais c'est tout. Non mais juste après qu'elle ait dit... C'est tout bah, trop tard. Plus suspicieux. Hein. Oui, c'est ça. Tu vois qu'il détourne même pas les yeux. Mais... Là, je mets... Ah, t'as ma main devant ta bouche. Tu peux pas parler. Mais je vais te donner un coup de coude dans les côtes. Est-ce que vous voyez qu'il tourne les yeux? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es mon père! Non, t'as ta main devant ta bouche. Mais là, je vais me dégager toi. Et là, il plisse ses yeux et... Qu'est-ce que tu me fais? Enlève tes lentilles. Ouais. Enlève tes lentilles. Pourquoi faire? Enlève-les. Et arrête de regarder à travers ses vêtements. Tu le vois effectivement retirer ses lentilles, il a les yeux bleus comme toi, oui. Je m'approche de lui et tout. Je vais le choper par le col et je vais l'approcher de moi. Maintenant, quand je te dis que tu es mon père, tu es mon père. Ah, d'accord, moi je savais, je flipperais à mort. Oh putain. Là-dessus, vous voyez que bizarrement, quand il dit tu es mon père, il a l'air de pas comprendre ce qu'elle dit. Akai. Oh putain. T'es sérieux, Max? Akai. Réfléchis deux minutes. Est-ce que tu pourrais me lâcher maintenant au lieu de me faire tes singeries? J'ai commencé à m'énerver. Je vais prendre une feuille qui traîne. Et je vais écrire avec un stylo qui traîne. Tu es mon père. Y'a pas de stylo qui traîne, dis-le à pied. Ok, bah je vais prendre la boue. Akai, viens voir deux secondes. A ton avis, pourquoi il a pas compris là? Je m'en bats les couilles. Hein, vous êtes en face de lui, hein? Non mais je la prends à part, je l'éloigne un peu, hein, pour éviter qu'il nous entende. Oui mais enfin non, là vous êtes dans une cave, c'est tout petit, je suis désolé. Mais je la fais remonter en haut. Oh bah du coup. Mais je me laisse pas faire, vite, hein. Je veux rester ici. Hein. Enfin, Red, donc lui il se rassoit sans problème. Il est un peu bizarre votre ami quand même. Oui. Je suis désolé. Ouais. Viens du futur! Mais. Et vous voyez qu'il continue de regarder Jackal. Il attend. Akai. Viens voir. Monte avec moi deux secondes, j'ai un truc à te dire. Je veux pas, je veux qu'il comprenne. Coco, tu peux l'emmener s'il te plaît, j'en ai marre. C'est très bien que ça sert à rien si elle a dit non, elle a dit non. Mais explique-lui pourquoi ça marche pas. Mais elle le sait très bien. Non, là elle a pas compris, je crois. Si j'ai compris, gnagnagnagnagna! Alors vas-y, dis-moi! Je me marre. Non, parce que le passé, mais tu peux pas dire des trucs du futur, et du coup, il comprend pas ce que je dis, gnagnagna, elle est con. Bon, bah ça va, y'a pas si enduit que ça. Pas loin. Enfin. Ah, mais attends, voir. Toi, tu peux pas le dire. Et qui nous empêche, moi et Nikelos, de le dire? Non, mais ça marche. Parce que tu vas passer aussi crédible que elle. Vous voyez qu'il arrête, qu'il plisse les yeux, qu'il vous regarde. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que tu as compris là exactement, Red, là, dans ce qu'on paternel. A dit? Paternel! Bon, vous pourriez arrêter, vous commencez sérieusement à me fatiguer. Bah attends, qu'est-ce que tu crois que je dis? Ok, il y a les manières de faire passer les choses qui sont... Ok. Mais non, t'emmerdes pas. On a été téléporté. Jackal, c'est un gros traître. Ouais, attends, je pose vite ma main sur sa bouche. Tu vois qu'il a toujours pas plus de réaction, hein. Et il continue de regarder bon. Jackal. Bon, allez, on remonte en haut, on s'en va, j'en ai marre. Mais je m'en fous, je me débat. Jackal, c'est un putain de traître. Mais je remets ma main sur la bouche. Et là-dessus, il y a Jackal qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, tais-toi. Et lui, c'est mon père. Chut. Plus rien, tu veux, je te jure. Sinon, je demande à ce que tu t'endors, d'accord? Red, monte en haut. Akai, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Il y a Red qui s'en va. Akai. MD. Oh putain, Akai, qu'est-ce que t'as pas fait là? Il y a Jackal qui vous regarde, avec quelques bouquins dans les bras, il finit par les poser.
Zuko, c'est bien ça? C'est ça. Je t'avais dit de faire en sorte de plus gêner. Oui, t'es gentil, mais je la contrôle pas, hein. C'est ta responsabilité, pas la mienne. Non, elle est assez grande pour se gérer toute seule. Je veux bien faire mon maximum, mais je peux pas non plus l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas ton maximum si tu n'y arrives pas. Mon but n'est pas d'entraver sa vie, sinon je la serai pas avec moi. Et d'entraver la tienne? Je fais ce que je peux pour... Tu dois bien comprendre que c'est pas non plus très facile et quoi. Déjà il faut qu'on comprenne ce qu'on soit là et que c'est pas très facile. Je ne peux pas comprendre, je n'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Du moins pas encore. Donc Vous êtes en train de dire que vous étiez au courant depuis le début? Non, il a découvert. La nuit dernière. Disons que ça. Votre cher ami m'a donné des indices sans le vouloir. Quoi? Essayez juste à reproduire les mêmes erreurs que vous faites dans le futur. Ça serait pas mal. Je t'ai déjà dit, Zuko. Pas l'homme que tu as rencontré et je ne sais pas pourquoi j'ai tenté de vous attaquer. En revanche, ce que j'ai découvert ici est très intéressant. Qu'est-ce que... J'ai une question. Monsieur... Il te regarde pas, il continue de fouiller les bouquins. Qu'est-ce qu'il y a? Faut lui demander pardon, s'il plaît. Faut lui demander par rapport au sifflet, c'était pas normal. Je lui ai dit qu'il était le chien de quelqu'un, il le sifflait, il arrivait de suite. Il le sait, je lui ai déjà dit. Non, il sait qu'il va devoir faire attention. Mais si on est toujours dans le passé, ça veut dire qu'il a toujours été... Oui, mais... Quoi qu'il fasse, il sera le chien. Oui, mais non, Akai. Non, ça peut parfaitement être changé. Akai, ça peut être changé parce qu'on est arrivé dans le passé. J'ai déjà changé le passé plus d'une fois, d'ailleurs. C'est-à-dire? En quel honneur? Celebi m'a déjà envoyé plusieurs fois, et par mes gardes, il m'est déjà arrivé de faire quelques petites modifications. Mineurs, je vous rassure, elles n'ont absolument rien à voir avec notre civilisation aujourd'hui. D'ailleurs, vous serez gentil, j'aimerais éviter des osanneries comme ça. Je ne serai pas là la prochaine fois que vous direz des trucs pareils. On est désolé. Enfin, Akai est désolé, n'est-ce pas? Attendez, est-ce que vous avez vécu dans l'orphelinat? Tu ne leur as rien dit, Zuko? Non, en effet. Tu nous raconter, s'il te plaît? Y'a pas d'orphelinat, y'a pas d'école, c'est réservé qu'aux dresseurs sauveteurs. Voilà. Ah bon? Ah d'accord. Oh purée. Zuko m'a dit que vous parliez de date, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Aucun d'entre eux n'est jamais allé à l'école, ils savent à peine compter. Ah d'accord, je comprends mieux. Oh yo. Je sais pas de quelle époque vous venez. On vient genre... Au vu de ce que je viens d'entendre, j'imagine que du futur. Au moins 20 ans dans le futur. Je pense, oui. Du coup, ça me laisse une large gamme de temps pour faire en sorte de comprendre pourquoi j'essaie de vous tuer, alors que vous n'êtes que des gamins ordinaires. Enfin, du moins. Est-ce que c'est le cas? Mais par contre, bon, ça l'est. Chiant, ça. Du coup, si jamais un jour vous croisez la route d'une organisation qui s'appelle la Team Shadow, méfiez-vous énormément. Rien de cette organisation. Ils sont totalement en coopération avec le gouvernement. C'est plus du gouvernement que vous devez vous méfier. Oui, mais le gouvernement non. Et la Team Shadow. C'est la Team Shadow qui possède Chakal en ce moment. Je vous rassure, je fais confiance absolument à personne. D'accord, faites très attention de Chakal. Parce que bon... Mais il vous regarde toujours pas, il continue de fouiller dans les livres... Bon, comment vous dire que dans le futur, vous m'avez un petit peu tué un... Disons que je mène une enquête. Dites toujours, on peut voir si on peut vous aider. Désolé, ma... Akai, c'est bien ça? Non, c'est pas ça, moi je m'appelle Emma Watson. Eh bien, Emma Watson, je suis désolé de te le dire, mais il s'agit d'une enquête confidentielle. Comment ça s'appelle vraiment Akai? Enfin. Quelle est la langue des livres? Une langue obligée. Vous l'avez apprise? Non, je ne l'ai pas apprise. Enfin. Comment arrivez-vous à les traduire alors? Je n'arrive pas à les traduire. Il faut justement que je cherche, que je trouve un moyen de comparer les différents livres afin de trouver une traduction adéquate. Chercher sur internet. Attends voir, MJ. Attends voir, connaissance. Attends.
Google Traduction. Non, il n'y a pas internet, Maiko. Non, mais... Voyons voir, le livre de la connaissance. C'est le titre du livre. Les réfrigérateurs sont moins chers chez But. C'est Juvamien, c'est Juvamine. Alors, qu'est-ce que tu dis, Maiko? Dites que vous avez eu l'occasion de pouvoir croiser plus d'une fois Celebi. Il m'est arrivé quelquefois de le croiser, en effet. Pas que lui, d'ailleurs. Est-ce que, par hasard, vous sauriez comment faire pour qu'il puisse venir nous chercher? Absolument aucune. Oh, les seules fois où vous avez pu le croiser, c'est par hasard? Tout à fait. C'était où exactement? Enfin, est-ce qu'il y avait un endroit précis ou... Je te rappelle. Particulièrement dans les milieux forestiers, ça n'est arrivé que trois fois et c'était toujours dans ce genre de domaine. Oui, bah rappelle-toi la dernière fois où on l'a croisé, Maiko, où est-ce qu'on était? Et contre qui on était? Oh, Jackal, juste un truc, un dernier détail. Oui. Essayez d'apprendre à aimer les Malos. Je pense que ça me pourrait me faire plaisir pour plus tard. Il hausse un sourcil, qu'est-ce que tu me racontes? Disons que... Une dernière chose. Oui. J'insiste dessus, mais... Zuko, Akai... Même les autres, d'ailleurs. Soyez bien gentil d'éviter... de parler de ce que vous savez. Pas de problème. Bah vous êtes drôle, vous. Mais dites-moi, comment ça se fait que Red n'a pas compris ce qu'a dit Akai? C'est moi qui l'en ai empêché. Oh, vous avez brouillé son... Enfin, vous avez brouillé son audition. Sa compréhension. C'est broken hein. Mind. Non, c'est pas compliqué, à partir du moment où elle a commencé... À entrer, j'ai fait en sorte qu'Akai n'ait absolument aucun sens aux yeux de Red. Vous avez bien fait. Je ne serai pas là la prochaine fois, parce que j'ai beaucoup de travail ici. Il n'est pas compliqué à vous regarder, en particulier toi et Akai. Vous êtes évidemment leurs enfants. À qui, je ne sais pas, mais à Red, ça, c'est pratiquement obligé. Que ce soit les lentilles de couleur rouge, l'air sérieux, ou alors les yeux bleus d'Akai, et le fait que ce soit évidemment ta sœur, ça je l'ai entendu. Il me paraît évident que Zuko, papa. Il me paraît évident que Red est votre père. Et cette pierre là que vous avez donnée à Red. Cette pierre que vous lui avez donnée. C'est quoi leur nom? Enfin... Voilà quoi. Oh, elles ont beaucoup de noms. La plus répandue actuellement, c'est pierre de change-forme. De change-forme. Et... C'est quand même bizarre elles qu'on n'ait sont... pas... facilement accessibles? Absolument pas. D'accord. Enfin. Oui, il continue d'étudier, hein, il vous attend pas. Hein. Bon bah on va s'en aller. Hein. Non, mais je veux rester. Akai, je t'en supplie. Mais je veux rester. Ah, bah ça le dérange pas, il s'en fout visiblement. Hein. Il continue d'étudier. Moi, je veux essayer de comprendre les livres, je m'en bats les couilles. Ne les comprend pas lui-même, qu'est-ce que tu veux comprendre? Et alors? Il cherche, j'ai bien le droit de chercher autant que lui? Ah non, là par contre, il te dit tu touches pas au livre. Mais... MJ, du fait que dans le... On va dire que dans le futur, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller très souvent sur le net, m'informer, tout ça. Oui. Est-ce que par hasard... Tu viens par le pur, tes hasards. Raté. Ça pourrait me dire quelque chose, ce genre d'écriture. Raté. Bah, ça existe, oui. Bah, il y a eu des civilisations anciennes dans. Par hasard, je pourrais essayer d'essayer de comprendre peut-être deux trois petits mots vite fait. Rajoute à par hasard, s'il te plaît.
par hasard. Ouais. Non. Bon bah voilà, merci, c'est tout. On dirait un nom de magicien, par hasard. Le hasard du par hasard. Je dis hasard comme c'est hasard. MD. Donc, vous sortez ? Oui. Oui. Non, je vais rester. Oh, toi, fais pas chier, tu viens avec nous. Là, tire pas l'oreille. Mais je peux jamais rien faire. En fait, on a toujours pas avancé, quoi. On est juste allé dans un manoir, on a vu un mec qui étudiait, il nous a dit « Ouais, je sais pas comment on fait pour vous faire revenir chez vous. » Et puis voilà. En tout cas, maintenant, ce qu'on sait, c'est que si on veut avoir une chance de retourner dans notre époque, il faut à tout prix qu'on retourne dans la forêt. Non, peut-être pas dans la forêt, mais à côté de Jackal. Parce qu'il dit... C'est peut-être Jackal qui attire ce Pokémon. Mais à chaque fois... Vous laissez Jackal dans ce truc ? Mais moi, je voulais rester, mais... Attends, j'étais en train de discuter. Ah, si après, tu te débats à Kai, moi, je peux pas t'en empêcher. Moi, je voulais dire... Il nous a dit qu'il avait croisé plusieurs fois ce Pokémon à la con. Et la seule fois où on l'a croisé, on a été en sa con. Alors, peut-être qu'il y a un lien entre ce Pokémon et Jackal. Par contre, moi, je pense à un truc qui pourrait me faire peur, moi, par contre. Là, du coup, Jackal nous dit qu'il a eu l'occasion d'aller dans le passé, tout ça. Enfin, dans le passé, tout ça. Pense à un truc. Le Jackal nous dit qu'il a pas été téléporté ici aussi. Non, mais c'est plus le Jackal de maintenant, donc non. Non, non, mais je te parle pas du Jackal de cette époque-là. C'est peut-être le Jackal du passé, de notre passé, encore plus lointain. Qui est revenu. Ça se trouve, il y a ce Jackal qui est gentil, et ça se trouve, le Jackal méchant a été aussi téléporté. Eh vas-y, ça me brûle trop, arrête de parler de temps, de je sais pas quoi, là. Ah bah c'est juste une logique, Akai. Non, sinon, une autre théorie, c'est que le Jackal du futur, hein, il est devenu méchant et complètement con parce que son âme, elle est dans le passé. Bah oui. Ou sinon, il s'est juste fait lobotomiser par la Team Shadow et c'est devenu un Pokémon. Ou peut-être il a pris un téléporteur avec un Pokémon. Ou peut-être que c'est un métamorphe. Oh, lieu de déblatérer des conneries HRP. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir en roleplay, s'il vous plaît? Oui, c'est peut-être un métamorphe. Très agressif. Est-ce qu'on peut revenir en roleplay, s'il vous plaît? Oui, on peut. Moi, je reste. Et bah, tu restes. Voilà. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je vais pleurer sous un pont. Moi, je remonte. Ok. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Non. Est-ce qu'on passe à la suite? La suite. Ok. De Schizo, est-ce que tu serais tout? Parce que lui, je te préviens, il dort pas, il bouffe pas, il reste dans ce laboratoire à étudier comme un dingue. Il veut pas. Je reste jusqu'à m'endormir. Ok. Viens avec moi en arrière salle s'il te plaît, Akai. Allez, je vous. Channel switched. User joined your channel. Akai, à un moment. Je m'endors. Oui, tu t'endors, oui, mais bon. Il y a quelqu'un qui vient te réveiller. Bah, je lève les yeux, je regarde qui c'est. Oh. Hein? Hein? Il te fout une petite tarte. Oh. T'es là? C'est qui? Hein? Yes! Yes! Pardon, c'était HRP. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il faudrait peut-être que t'as dormir ailleurs, non? De quoi dormir ailleurs? Je me suis pas endormi. J'ai juste fermé les yeux. Mm-hmm. Et la marque sur ta joue? Ah, c'est Eboli. Ouais, c'est une tache de naissance aussi, tu vas me dire. Oui. Comment tu as deviné? Et la tache que t'as sur l'autre joue? C'est de la bave. Raté, t'avais rien. De quoi? Et il t'a dit tu n'avais rien. Ah, j'ai rien. De quoi j'ai rien? Laisse tomber. Du coup, il s'éloigne, il avait de la nourriture avec lui, il les apporte à Jackal. Ah, d'accord. Mais je vais regarder. Hé hey, Blue, c'est ça? Et tu lui apportes la nourriture et finalement il revient vers toi. Oui, c'est mon nom. Et vous laissez souvent votre maître ici tout seul? Bah là, on n'a pas vraiment le choix. S'il décide de travailler ici, il fait ce qu'il veut. Et il vous a jamais essayé de... Enfin, il vous a jamais appris à comprendre cette langue?
Cette langue bizarre. Lui-même, il la connaît pas, d'après ce qu'il nous a dit, donc... Oui, bah, il la connaît pas, c'est un grand mot, hein. T'as vu comment il étudie comme un dingue pour essayer de faire une comparaison des différentes lettres qui sont marquées dans les livres, hein. J'imagine que oui. 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 T'inquiète pas, il est fiable. Ouais. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez trouvé des Pokémon aux alentours? Il y a différents Pokémon. Et pour gagner, je dois prouver que personne ne peut m'aider.